Bonjour, je travaille à Paris et je viens de Grenoble. Je viens de vous apporter mon témoignage sur mon vécu, sur les violences sexistes et les lier aussi aux violences racistes et à ce que c'est d'être une femme de 30 ans en 2020 en France, quand en plus on a des origines étrangères. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis née à Grenoble, dans une famille typique de la première vague d'immigration algérienne, donc assez traditionnelle, assez religieuse. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une scolarité assez bonne et toute mon enfance et mon adolescence, j'ai rêvé de m'émanciper de mon milieu social, de m'émanciper des traditions, du carcan patriarcal, etc. Parce que ça n'a pas toujours été facile d'être une femme quand on vient d'un milieu assez traditionnel. On attend de vous certaines choses, on vous interdit pas mal de choses, par exemple la mixité, la liberté de s'habiller comme on le veut, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours pesé dans ma vie. Et je me suis toujours dit que quand j'arriverai à m'émanciper socialement, je m'émanciperai aussi du carcan et du patriarcat. Et qu'en fait tout ça je le laisserai derrière moi. Donc voilà, je rêvais un peu d'être comme mes copines à l'école qui n'avaient pas tout ce poids-là. Et j'ai eu la chance, beaucoup de chance dans la vie de pouvoir m'émanciper. Aujourd'hui je travaille à Paris, j'ai un bon travail, voilà. Et malheureusement en fait je me suis vite rendu compte que le poids du patriarcat il vous suit. Peu importe les milieux sociaux, peu importe où on évolue, on rencontrera dans toute notre vie le poids d'être une femme, et d'autant plus d'être une femme d'origine étrangère. J'ai travaillé à Marseille, j'ai fait un stage dans une association pour le développement et la coopération méditerranée. On m'a très vite appelée la petite stagiaire qui venait d'Algérie, alors que moi je viens de Grenoble. J'ai passé mon enfance dans les montagnes et pas au milieu du Sahara. Quand je travaillais à la RTM à Marseille, la RTM, il faut savoir que c'est l'équivalent de la RATP marseillaise, quand il y avait des personnes qui parlaient arabe dans les clients, mes collègues me disaient vas-y, toi, va leur parler en arabe, toi, tu les comprends, etc. Si je veux parler aussi du racisme en plus des violences sexistes, c'est pour vous expliquer qu'en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes. Moi, je considère que l'identité, on n'y est pour rien. On est dans un corps, et on construit notre histoire, mais on ne choisit pas d'être une femme, on ne choisit pas d'être de telle ou telle origine. Et en fait, toute votre vie, vous serez confronté à des gens qui vont vous ramener à des choses pour lesquelles vous n'avez pas décidé. Peu importe les milieux sociaux dans lesquels vous allez évoluer, parce que j'ai aussi été confrontée à des violences sexistes dans le milieu social dans lequel j'évolue actuellement à Paris. Où, voilà, c'est des classes sociales supérieures, mais il y a toujours des petites remarques. On vous renvoie toujours au fait que vous soyez une femme, on vous renvoie toujours au fait que vous soyez d'origine étrangère. Et moi, je veux lier en fait les deux processus, parce que c'est toujours vous ramener à quelque chose et toujours vous considérer comme faisant partie d'une case, et comme si en fait vous pouvez pas vous émanciper et être plus que ça en fait. Et du coup, je trouve que voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est libérer la parole, c'est vraiment briser le silence là-dessus, c'est de vous dire aussi que vous n'êtes pas seul. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient extrêmement bienveillants, qui m'ont énormément aidée et qui m'ont permis d'être où je suis actuellement. Et j'ai aussi beaucoup de modèles autour de moi, de femmes puissantes, de femmes qui réussissent Et voilà, je suis sûre qu'autour de vous, vous trouverez aussi des modèles de personnes qui sont émancipatrices, et gardez espoir surtout, parce que c'est tout dans la tête, et une fois que vous aurez trouvé votre force, et plus personne ne pourra vous arrêter.